vous trouvez dans une grande compagnie qui est là, où une compagnie sorti l'Europe, une compagnie sorti l'Asie, amène Zot Maurice. Et nous avons un sens extraordinaire, c'est qu'il nous a une phase de construction qui peut permettre nous faire quelque chose qui nous amène nous y penser. Ban motorway, le pont hier, 350 mètres, nous peut faire train, et très probablement, nous pouvons faire un petit tunnel, là, mais nous prenons un gros projet de tunnel. Donc l'idée, c'était d'amener toute cette expertise-là à Maurice, et après faire un échange, et puis faire qu'ils nous maîtrisent une dernière technique. Mais quand on maîtrise une dernière technique, pour moi, ce que vous avez maîtrisé, c'est le terrain. Et je peux prendre l'exemple de Ring Road Phase 1 qui finit dans le failure. Et l'exemple de Terre Rouge Verdun pour montrer que Maurice, c'est un terrain extrêmement complexe parce qu'il nous finit dans plusieurs phases de coulée de lave. Et finit dans un système d'érosion et tout. Et parfois, il y a beaucoup d'appli. Alors, nous avons besoin de maîtriser les dernières techniques. Deuxième, maîtrise le terrain. Et troisième, maîtrise le budget. La cause, on a toujours dit qu'il y a trois conditions, c'est-à-dire qualité des travaux, pas dépasse budget et pas dépasse les temps, les échéances. Et nous pouvons faire ça de sorte que, vous connaissez quand on fait un projet qui soutient un point des milliards, il vient des milliards, c'est-à-dire nous gaspillons 800 millions. Nous ne pouvons pas faire autre chose avec ça. Alors, c'est un peu ça l'esprit-là et ça l'atelier-là. Donc, on met tout le monde ensemble pour réfléchir et surtout venir une bonne solution pratique. Parce que nous avons fait un atelier très théorique, échange d'idées, tout ça. Mais nous avons une technique pratique qui nous a appliqué. Par exemple, nous avons fait qui a 50 qualités coltor, alors qu'il nous a pas servi beaucoup de types coltor. Et dans le même cimé, à gauche, parce qu'il peut aller, coltor là, il a besoin de l'autre. Dans le rond-point, coltor a besoin de l'autre. Dans une autre place, il a besoin de complètement différent. Donc c'est quelque chose comme ça. Après, il y a street lighting, il y a road marking, il y a road signage. Tout ça, nous avons fait infrastructure. Pour qu'ils nous capable faire de sorte qu'il y ait une infrastructure moderne. Mais pour terminer, nous avons fait un grand atelier de travail international. Invite tout le ministre des infrastructures de l'Afrique australe ou de l'Afrique. Amène une organisation comme une RDA, une régulateur. Et elle est là nous montrer que voilà ce qui est possible. Et voilà ce que nous nous construisons dans Maurice. Nous avons montré nous avons un laboratoire pour l'Afrique. Moi, je veux toujours dire que nous avons un procurement. Alors, le procurement, nous avons la loi aujourd'hui, et souvent nous trouvons que c'est le lowest bidder qui remporte le contrat pour bonne raison. Mais comment tu peux dire, il n'est pas responsable, mais il n'est pas responsable. Et là, d'un coup de bon marché, il coûte très cher. Peut-être nous avons besoin de travailler là, nous avons un coup avec le Public Procurement Office, pour que nous avons manière, dans un pays comme la Suisse, nous avons servi une médiane. Ni nous prenons petit là, ni nous prenons grand là. Alors peut-être pour nous, ce qui nous inquiète en fin de compte, ce sont les fonds publics et nous dépensons les fonds publics dans les meilleures conditions et gagnent les meilleurs services.